Croisie Europe vous invite à découvrir de nouveaux horizons lors d'une croisière fluvio-maritime dans le sud de l'Europe. Nous vous proposons d'embarquer à Séville pour naviguer sur deux fleuves et sur l'océan Atlantique. Le Guadalquivir en Espagne, le golfe de Cadix et le Guadiana au Portugal. Tous nos bateaux sont adaptés au chaud climat du sud de l'Europe et vous garantissent le confort le plus total. Cabine climatisée, personnel efficace et sympathique, tout est mis en œuvre pour faire de cette escapade au soleil un souvenir inoubliable. Terre de tradition d'une grande richesse historique et culturelle, l'Andalousie est un véritable régal pour les amateurs d'architecture. À Séville, la place d'Espagne fut construite pour l'exposition ibéro-américaine de 1929 et présente un surprenant mélange de styles renaissance, gothique et mauresque. La proximité avec l'Afrique rappelle que la péninsule ibérique a vécu sous la domination musulmane entre le 8e et le 15e siècle. Et l'Alhambra de Grenade est un des plus importants témoins de cette période. À Cordoue, un temple romain a été transformé en église, puis en mosquée, avant de devenir une cathédrale splendide qui porte les marques distinctives de ses multiples origines. Avec leur immense patrimoine historique, Séville, Grenade et Cordoue forment un circuit touristique incontournable qu'on appelle le Triangle d'or andalou. Ce périple vous plongera dans l'ambiance d'une région chaleureuse et ensoleillée où règne un certain art de vivre. Le flamenco, né en Andalousie, vous offre ses danseurs et musiciens les plus talentueux. C'est aussi dans le sud de l'Espagne que l'on trouve les meilleurs élevages de chevaux et de taureaux de combat. Tout près de Jerez, une visite au domaine Los Albujeros vous permettra d'admirer les prouesses des chevaux andalous avant d'aller voir de près ces fameux taureaux qui font le bonheur des amateurs de corrida. Entre l'océan Atlantique et Alcoutim, le Guadiana marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal. C'est le moment de s'installer confortablement sur le pont Soleil et d'admirer les superbes paysages qui défilent au rythme paisible du fleuve. Cette escapade en terre portugaise vous mènera dans la région de l'Algarve, où vous visiterez les villes typiques d'Alcoutim et de Faro.